Les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert n'auront pas fait les détails face à Telkom de Djibouti pour leur premier match dans cette édition de la CECAFA Kagame Cup. Conduits par le vice-capitaine Miyayo Kazembe Pamphile, les champions d'Afrique ont su maîtriser leur adversaire qui pourtant s'offre la première occasion de la partie dès la 5e minute sur ce contre qui n'inquiétera aucunement Robert Kidiaba. La véritable réaction des corbeaux intervient par Guilhem Vété, recevant un ballon dévié de la tête par Kabangou Moulouta. Ce dernier emmène deux défenseurs rouges avec lui avant de battre Yafet Nigatou, le portier djiboutien. Les corbeaux qui manquent même d'inscrire le deuxième but par Loussa Dissou, seul face au portier des rouges, à qui il offre plus qu'un cadeau. Ce ne sera que partie remise car à la 33e minute, dans une combinaison partie de Miyayo, Mvete et Kabangou combinent jusqu'à réussir le deuxième but des corbeaux et le doublé de l'homme du match.